Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo, donc ça sera achat et unboxing. Mais avant de commencer, j'aimerais dire deux trucs. Déjà, j'ai dit déjà en commentaire aux deux personnes concernées, donc ça m'arrive pas beaucoup d'être énervé, surtout moi. Vous voyez dans mes vidéos, je suis toujours souriant avec, quand je parle avec vous, que je parle avec Nico, avec DV Collection, avec Tanguy, avec Alex du Ciné chez soi, avec Jules, ouais, je suis toujours content, je suis à faire des blagues et tout, même Mélissa. Mais là, ça m'a énervé. Le truc qui m'a énervé déjà, c'est pour Run, je vais trouver qu'un DVD. Lui, on m'en a trouvé deux. Bon, le problème, c'est que là, je taffe tout jusqu'à fin décembre. Et bah, je pourrais pas aller en cash. Et je lui ai dit, bah, je peux pas aller en cash, t'as qu'à m'envoyer deux DVD, ça, t'inquiète pas, je vais te les rendre. Et je lui ai dit, et il m'a dit non, moi je vais n'envoyer qu'un. Un. Et parce que moi je t'en envoie qu'un. Moi j'ai envoyé plein de colis. Déjà à Tanguy, dédicace à Tanguy, à mon pote Tanguy. Tanguy, je lui ai envoyé deux DVD. Dès que je les ai achetés, je lui ai envoyé. Il m'a pas donné pour l'instant. Moi je m'en fous, je fais confiance à Tanguy, je le connais. Tanguy c'est mon pote. Je sais qu'il me les rendra quand il pourra, ça y a pas de problème. Mais Ron, comme si Ron, j'allais lui arnaquer son DVD. Je suis pas un gamin. J'ai 18 ans, ouais, mais je suis pas un gamin, je vais pas te dire merci pour ton DVD, je vais te faire ça, je vais me barrer, non, je vais te le rendre quand j'aurai le temps. Donc moi je trouve c'est pas sympa, surtout venu de toi Ron, parce que Ron, on se connaît, on se parle et tout, donc moi j'ai cru que, je vois que les gens ont changé, bref, de toute façon, voilà. Et le deuxième c'est Cineclap, là, le nouveau, et je sais pas dans sa dernière vidéo si vous l'avez vu, il n'y a pas que Jules sur Terre, mon gars. Moi, je t'ai trouvé deux DVD. Déjà, bizarrement, t'avais pris Retour vers le futur plus les deux DVD. C'est quand je t'ai dit, bah, il faudra que tu m'en envoies 5, bizarrement, ah bah non, finalement, quelqu'un avait Retour vers le futur. D'un coup, je t'ai dit, il en faut 5. T'as cru que j'allais dire, bah, moi, je te les envoie, tu me les ramènes jamais, tu m'aurais fait, vas-y. On se connaît pas, on s'est jamais vu. Bah, je suis pas con, hein. je te connais pas, je vais pas te les envoyer, moi, j'attends. Et là, tu m'as dit, tu m'en trouvais deux. Je vois ta vidéo d'achat. Alors j'ai acheté ça pour Jules, ça encore pour Jules, ah ouais, Jules ça y va. Là je suis énervé, même si je te parle pas, parce que tu m'envoies pas les DVD, moi je m'en fous. Là maintenant je suis énervé, mes vénères, à quel goût ça le truc aussi. Faut arrêter, hein. Désolé pour Jules, hein. Jules il a rien fait, donc Jules si je veux pas te froisser toi, mais lui faut arrêter. Jules un autre, moi tu me dois deux DVD. Maintenant que je t'ai dit ça, que t'es énervé, tu veux pas. Déjà les associés du diable, non c'était pour moi. Et truc de Tim Burton aussi, c'était pour moi. Dans ta vidéo, tu dis pas, ouais, il est à l'échange, il est pas pour Tony, non. C'est, il est à l'échange, venez le prendre. Moi, je m'en fous, tu vois cette vidéo, ça va t'énerver, tu vas pas pouvoir me parler, tu vas pas pouvoir m'envoyer DVD, y'a pas de problème. Les DVD, ils sont là, quelqu'un les prendra, surtout Django. Django qui est un bon film, Désolé, je bois un peu. Donc pour dire que les deux personnes, pour moi, je trouve que c'est pas sympa. Donc Cineclub, je m'en fous, je te connais pas. Mais Ron, moi qui croyais te connaître, moi, je suis franchement déçu, mais bon. Les gens ont changé. Voilà. Bon, passons à autre chose de plus. Donc voilà, il fallait que je le dise. Et je l'ai dit. Et moi, ça m'a fait du bien de le dire. Maintenant, si ça te gênera. Moi, j'ai envoyé ton colis. Même si ça te gêne, tu m'envoies au moins un DVD. Si ça te gêne, après, tu ne veux plus me parler. Tu ne me parles plus au moment. Tu m'envoies un DVD. Moi, je t'ai envoyé le DVD. Au pire des cas, si t'es énervé, tu veux pas m'envoyer les deux. Si t'es vraiment énervé, alors je parle plus, voilà, tu veux faire des trucs. Si tu veux faire ça, tu m'en envoies au moins un, parce que bon, je t'en envoie un. Je suis pas à la Banque de France. En tout cas, passons à autre chose de plus léger. Surtout pour. Donc désolé pour ceux que ça n'intéresse pas, hein, vraiment. Voilà, je voulais le dire, je l'avais sur le cœur, j'avais envie de le dire, je l'ai dit. Voilà. Donc, commencer par mon achat que j'ai fait hier, quand même. J'ai été en. Vite fait, j'avais appelé mon pote, là, mon vendeur, je lui avais dit s'il pouvait me garder déjà Prince à New York. Et pas de problème et tout. Et comme j'avais eu le temps d'aller à ma pause, vite fait, hein, j'ai pris et je suis parti tout de suite. Hein, parce que, comme c'est. En fait, mon taf est juste à quoi, peut-être 5 minutes à marcher. Donc, j'ai été à ma pause, j'avais 5 minutes, j'ai demandé à ma patronne si je pouvais aller pendant ma pause. Elle me dit pas de problème, j'avais été, je l'ai pris. Donc, c'est Un Prince à New York avec Eddie Murphy. Très 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 bon film, voilà. Donc voilà, j'ai adoré le film. Franchement, Eddie Murphy, moi j'adore, c'est bon. Pour moi, c'est mon personnage de comédie préféré. Voilà, donc qui raconte donc l'histoire du prince Hakim de Zamunda, voilà, qui a été. Son père là, lui a promis une fiancée. Et lui, il va aller à New York, voilà, surtout au Queens, pour en trouver une. Voilà, donc je vous dis pas plus. C'est un très 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 bon film. Je vous conseille une très bonne comédie. Achetez 3 euros. Voilà. Ensuite, on va passer. On va passer au colis.
Donc celui-là, il n'y a pas de nom derrière. Toi aussi, reste là. Bon, on va passer. Donc aujourd'hui, vous aurez écouté ma vie. Aujourd'hui, je devais travailler, mais j'ai dû aller à ma journée d'appel, voilà. Pour voilà, journée d'appel. Donc j'ai été, et c'est pour ça que je ne travaillais pas aujourd'hui. C'est pour ça que je n'ai pas eu le temps d'aller en cache. C'était loin, en plus de chez moi. Donc voilà. Donc oui, c'est bien le colis de DVD collection. Voilà, tu avais hier qui avait fait une vidéo qui était inquiet, ça, que son truc allait venir. Je lui ai dit que ça prenait du temps. Des fois, moi, ma vie, ils prennent du temps. Donc on commence par le premier DVD qui est sous blister. Ça fait vraiment sympa. Donc Appelez-moi Dave. Avec Eddie Murphy, voilà. Donc celui-là, je ne le connais pas, je l'ai jamais vu, je vais vous lire le synopsis. Afin de sauver le monde, un équipage d'extraterrestres minuscules arrive sur Terre dans un vaisseau très spécial. Il s'agit de la réplique parfaite d'un homme, mais si ressembler à un être humain est une chose, se comporter comme un être humain est beaucoup plus compliqué. Voilà, donc ça m'a l'air d'être très drôle, celui-là, j'avais jamais vu, puis comme il me l'a pris, bon, moi, Eddie Murphy, je crache pas dessus. Voilà, donc... On va le mettre là. Ensuite, le gendarme à New York. Voilà, très content. Donc ça me fera. Allez, par contre. Ouh, la jaquette. Je sais pas si vous voyez la jaquette. Merde. Avec la lumière, je sais pas si on va pouvoir voir. Je sais pas si vous voyez ici. Ici, là, vous voyez comment c'est arraché, ouais. Bon, ça c'est pas grave encore, mais bon, comme ça devait être un vieux film, ça devait être assez parent. Bon, je critique pas, merci John de me l'avoir envoyé, mais bon, quand même, la jaquette, elle est morte. Bon. Bref, bon, bah là, j'ai retrouvé ma bonne humeur quand même, bon, ça rien de... C'est... Bref, donc c'est un très 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 bon film, avec Louis de Funès, un de mes acteurs français préférés. De mes acteurs préférés, voilà, comme ça j'aurai le gendarme à New York, le gendarme en balade et le gendarme se marie. Il ne manquera plus que le gendarme et les extraterrestres et le gendarme et gendarmette que je trouverai sûrement. Donc très très bon, celui-là c'est un très très bon film. Les 4 films que je vous ai dit que j'ai, je vous les recommande, pour moi c'est les meilleurs. Celui-là aussi c'est très 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 bon, surtout le cours d'anglais au début là, bah, très très bon. Donc voilà, donc très bon état, voilà, très très content. Ensuite, on passe à Evil Dead 3. L'armée des ténèbres. Donc celui-là, je sais qu'il l'avait trouvé soit pour DVD à faire et l'autre pour je sais plus qui, mais bon, je lui avais dit de me l'envoyer à moi, comme l'autre ne répondait pas, voilà, quelqu'un de pas sérieux, hein. Voilà. Donc, bref, donc celui-là, Evil Dead 3, que j'ai jamais vu, donc celui-là, je vais pouvoir le voir, donc, très très content, il ne manquera plus que le 2 à trouver en DVD, voilà, donc je marquerai sûrement sur lui, donc très 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 bon film, celui-là, vraiment, les Evil Dead, voilà, et donc, j'ai le premier. La jaquette est morte aussi. Dans ton cache, les jaquettes sont tous mortes. Hein. Bon, moi je parle, moi, une fois dans mon cache. Mon revendeur, il m'avait vendu, voyez ici. Mon vendeur, j'avais ouvert la boîte. Le truc au milieu, il était plus. Donc j'ai ouvert le truc, c'est barré. J'ai dit, ah ouais, quand même. En plus, j'étais dans la rue, c'est parti par terre. J'ai dit, merde. Bref, donc Evil Dead aussi, le premier. Donc celui-là, très très bon. Donc ça fait que j'ai le remake en Blu-ray et j'ai cela en DVD, moi ça me va, franchement voilà, les deux, très 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 bon. Donc voilà, il n'y a rien d'autre dans le... Voilà, passer un petit mot, j'en mets. Voilà, donc on va récapituler, donc, sous blister, voilà, on voit, Appelez-moi Dave, très content. Le gendarme à New York, voilà, très content. Evil Dead 1, voilà, l'original, et Evil Dead 3. Ah, donc un gros merci à toi DVD Collection, t'avais reçu mes DVD, voilà, je te les avais envoyés déjà avant que tu m'envoies ceux-là. Donc voilà, ils avaient pris du temps pour les envoyer, mais ils sont là, donc, vraiment très contents, voilà. Et ensuite, on va passer à le colis donc, d'un de mes potes aussi, ah, d'un de mes potes à moi, donc c'est Nicolas. Voilà, donc Nicolas, un pote à moi, voilà, je vous conseille, si vous connaissez pas sa chaîne, c'est Nicolas Choualézi, de très 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 bonnes vidéos, voilà. Donc de Nicolas, mon pote, je vais ouvrir à la barbare, ça ne va pas lui faire plaisir à lui, hein. Mais bon, moi je suis comme ça. Alors, on commence par, ah bah, L'île était une fois, la révolution, voilà, avec d'un film de Sergio Leone, sur la collection de western, très très bon, voilà, celui-là, un bon western, voilà, avec qui jouait dedans, Rod Steiger aussi, James Coburn, celui qui avait joué dans Les 7 mercenaires avec Steve McQueen. Très 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 bon, très content. Ouais, il était une fois à la révolution, voilà. Je vous le conseille si vous aimez les westerns.
Ah ouais, c'est un colis dans l'autre. Oh, il y a une surprise dedans. Merci. Rosé thérapie. Okay. Tout ça était bien protégé. Hein. Et le deuxième. Ah, Clint Eastwood, l'inspecteur Harry. Voilà. Donc, très bon. Hop. Voilà. Très. Ah, en plus, deux DVD, édition collector. Très, très. Là, moi, j'adore les films de Clint Eastwood. Voilà. Clint Eastwood, pour moi, qui est un très, très bon acteur. Rien à dire, Clint Eastwood. Ah, il m'a remis ma... il m'a remis... Ah, lui, il garde, il m'a remis le... Celui que je lui avais envoyé. Ah, lui, au moins, il garde, il n'est pas comme moi. Moi, je suis un barbare, vous voyez comment je l'ai ouvert. Moi, je peux pas la réutiliser, je l'ai ouvert à la barbare. Bon, très content, donc, pour venir faire un gros civière, je l'avais vu il y a longtemps. L'inspecteur Harry, très, très bon. Il y a plusieurs films d'inspecteur Harry, je les trouve en DVD. Très, très content, voilà. Un grand merci à toi, Nico. Voilà. Et on passe donc à ma surprise, qui est... Non, oh, t'aurais pas dû, Nico. Oh, t'aurais pas dû. Putain, vous voyez ce qu'il m'a donné. Alors, il l'aurait pas dû, franchement. Ah, le t-shirt de Scarface. Ah, Nico, t'aurais pas dû, franchement. Ah, je vais... Putain, non, t'aurais pas dû, Nico, franchement. Ah, comme ça, je vais encore l'ouvrir là. Voilà. Putain, t'aurais pas dû, Nico, franchement. Ah. Ah, Nico, comme je parle tout le temps avec lui, comme son pote, il savait que j'étais un grand fan, comme souvent je le montre, ouais, Scarface. Voilà, magnifique, franchement, rien à dire. Ah, Nico, t'es fou, Nico, fallait pas, trop beau. Ah, merci, franchement, on va le poser délicatement, parce que bon, franchement, merci, Nico, il y a. Ah, il aurait pas dû. Il est fou. Moi je vous dis, Nicolas c'est vraiment quelqu'un de bien. C'est rare maintenant les gens de quelqu'un de bien comme lui, mais c'est quelqu'un de bien déjà pour la... Avant de parler pour moi, pour parler d'Alice déjà, il a envoyé à tout le monde. Dès qu'il a trouvé, il est arrivé sur la liste. Hein. Moi je le connaissais pas. Hein. Je le connaissais pas d'où, comment il s'appelait, sa chaîne, nanana. Il est arrivé, il m'envoie un message, je t'ai trouvé un DVD. J'ai dit, ah, je connais pas, je dis bon. Je le dis non parce que Maïra me l'avait déjà trouvé. Bref, après je reviens. Quelques semaines après, je vois sur sa liste, il y a plein de DVD qu'il a trouvé. Et après, je vois sa vidéo, je vois 2-3 vidéos qui venaient le même jour, comme il avait pas pu, il avait mis en mode privé. Et je vois, il avait trouvé plein de DVD pour tout le monde. Et il m'a envoyé tout, sans attendre. Moi, franchement, j'ai fait ça pour Tanguy, parce que je le connaissais. Mais il a envoyé même pour les gens qui ne connaissaient pas, pour DVD collection, il ne le connaissait pas non plus, il l'a envoyé direct. Franchement, c'est un bon gars avec moi. Moi, je... Franchement, c'est mon pote. Pour moi, c'est un vrai pote, Nicolas. Je lui ai déjà dit que j'avais toute confiance en lui. Le cadeau qu'il m'a fait, franchement, ça me fait vraiment très, très plaisir. Dès que j'aurai mon argent, Nico, t'inquiète pas, je te ferai un... Bah, déjà, je n'ai fait un aujourd'hui, mais bon, si beau que c'est celui que tu m'as donné, non, je ne peux pas prendre ça. Voilà, donc, voilà, je vous montre donc le t-shirt de Scarface, vraiment. Putain, je suis vraiment trop content. Donc, ensuite, Clint Eastwood, l'inspecteur Harry, édition collector, 2 DVD. Et... Il était une fois la révolution de Sergio Leone. Voilà. Bon, encore un grand merci à Nico. Franchement, t'aurais pas dû. Franchement, voilà. Surtout Scarface, genre chef, c'est du jeu qu'ils vont faire. Voilà, très un grand merci, voilà, à toi. Donc ton cadeau est parti aujourd'hui. Il est parti aujourd'hui, ouais, donc ça sera pas aussi beau que ça. Mais dès que j'ai ma paye, je te trouve un truc aussi beau que ça pour toi. Et voilà, et pour Ron, ton truc qui est parti aussi à toi. Voilà, donc encore un grand merci à Nico. Franchement, Nico, rien à dire, mon pote, franchement, merci. Et merci aussi à DVD Collection pour ses DVD, voilà, et mon achat, un prince à New York. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je pense pas recevoir de colis cette semaine encore. Laissez-moi réfléchir, qui doit m'envoyer. Si, celui de Ron, si. On m'envoie avec ce que je lui dis, je sais pas, mais le monde aurait bien. Bref, parmi cette histoire, je pense pas, donc je pense continuer ma collection de DVD. Voilà, partie 6, 5, 6, ouais, 5, 6, ouais, un truc comme ça. Et voilà, et puis mes achats, bah, il n'y en aura pas, parce que, à part le prince à New York, j'ai vu le truc, maintenant, comme ça va être Noël et tout, je ne peux plus faire d'achat, voilà, donc. Voilà, donc bah, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Désolé pour le début, pour ceux que ça n'a pas intéressé. Voilà,
je me devais de le dire, voilà, ce que j'avais à dire sur, voilà, si on est là, on est là pour parler, voilà, entre gens bien, voilà, et voilà, je devais de le dire, voilà. Et voilà, donc encore un grand merci à Nico, à mon pote Nico, voilà. Et un grand merci à DVD Collection. Et merci à vous aussi, je voyais que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, moi ça me fait plaisir, voilà. Et moi ça me fait plaisir de vous en faire plus, là comme je tâche pas en faire beaucoup, même dès que je ferai en vacances, j'essaierai d'en faire plus, de faire 2-3 vidéos, voilà. Parce que j'irai sûrement plus en cash, dès que j'ai ma paye, j'irai plus en cash, voilà. Voilà, et j'espère que bah, vous passez une très bonne semaine, voilà. Et bah, bientôt le week-end, en espérant, croisons les doigts. Et je vous souhaite une très bonne semaine, un bon visionnage, une bonne journée, une bonne soirée. Et bah, je vous dis à la prochaine. Salut !